Bonjour à tous, pour vivre dans l'élan de notre documentaire « L'espace en vérité » de l'architecte Jean-Marie Dutilleul, je vous propose comme d'habitude une parole, une image et un geste. La parole, c'est celle de Jean-Marie Dutilleul qui évoque la notion d'espace sauvé. Un espace sauvé, c'est quand la mise en relation, la mise en communion avec comme archétype les disciples d'Emmaüs, où la nourriture va constituer le moyen de reconnaissance pour les disciples d'Emmaüs. Eh bien, l'espace sauvé, c'est à chaque fois que nous sommes capables d'entrer les uns les autres dans la relation et dans la communion. L'image, c'est celle de Saint François de Molitor, avec une conception donc, de cette église parisienne où l'on entre avec le baptistère, le lieu de l'amitié, où se crée l'amitié avec le Christ, qui se poursuit avec l'autel de communion, puis la croix de gloire, et enfin le jardin du paradis nouveau, et que la communauté, elle vient comme envelopper cette proposition architecturale. Et le geste, enfin, eh bien, c'est celui de cette vieille religieuse à Saint-Maurice de Bex en Suisse, que l'on voit avec sa béquille s'incliner religieusement devant la croix de gloire proposée par Jean-Marie Dutilleul dans un espace très épuré, et qui nous dit délicatement, mystérieusement, la qualité de prière de cette vieille femme. N'hésitez pas à redécouvrir ou à découvrir donc, notre documentaire avec Jean-Marie Dutilleul, notre architecte de cette semaine. Bonne semaine à tous.